Oh, ça sent le plan au cul. On va jamais le tuer. Bah oui, vous allez jamais le tuer, les gars. Apparemment, vous pouvez le kill si vous prenez le fight comme ça. Bah moi, je suis dans la merde, hein. On peut plus creep-block les sbires en plus sur la première wave, donc... Je peux prendre l'aggro des casters, voilà, merci quand même. Ok, nice. Oh, ça lâche le nice smite en chatol. Ah, j'étais obligé de prendre un petit peu de dégâts pour casser le freeze adverse là. Ah, je sens que ma game elle va être agréable. Hein. Je sens que ma partie de jeu va être très agréable. C'est pas très grave, j'ai le mental pour tanker ce genre de truc. Y'a pas de problème. Salut Nautius, il a plus de summoner, ok. Monsters are everywhere. On va QO pour celui-là. Bientôt un mois avant la naissance de notre enfant, comment imaginer ma vie sans toi, Pipo Love? Avoir les deux, hein, frère. Merci beaucoup, Lodzim, pour le sub. Le hook était bon, mais j'avais déjà flash in sur Milio pour le tuer. Je vais back. Si stay, je stay. Ah, je peux pas stay anyway. Laisse la wave. Ok, la wave est dégueulasse pour eux. Il la push pas, du coup il va build un slow push. Enemy bot is out of tempo hard. Il part Nautilus. Oh, Nautilus part. Je dis pas qu'il ne va pas se faire punir pour être resté avec ses 300 PV là. Oh si, c'est exactement ce qui va se passer. Je suis obligé de faire cette wave. Hein. Si on est... Non, on a pas tué, vas-y go push. Il a pas de stack. Ah, c'est tellement une honte en vrai. Que genre y'a pas de punition. Really sad they can do this without getting any punishment. Oh, je suis abattu. Il a eu freeze la wave et tout. Ah
Please not, you cannot do this. Survival means never stopping. Décale parce qu'il est en train de me chercher là. Je back hein, j'ai pas le choix. Oh c'est une honte hein, no joke hein. No joke, c'est une honte. Récup de plate, je sais pas s'ils ont les dégâts pour kill, ils peuvent faire les dégâts pour kill milieu mais... Oh, qu'en a-t-il fait en plus. Bon, ma game pue, hein. Mon support a décidé que ma game allait puer, donc ma game pue malheureusement. C'est la vie de la botlane. On dépend de deux personnes, du jungle et du sup, là où la majorité des lanes dépend d'une seule personne, du jungle. Et malheureusement, quand mon support décide parce qu'il est autofill de troller violemment ma game, j'ai pas trop le choix. Heureusement, Zach m'aide un petit peu, je peux récupérer un kill. Trop une dinguerie qu'en fait, le mec reste à 300 HP, je reviens de mon bac avec une Serra Tether full point de vie, et que quelle est la finalité de tout ça, je perds deux play, genre. C'est vraiment trop une dinguerie, no joke, hein. Stay alert. Stay aggressive. On va maintenir ce freeze un peu obligé. Ok, on va pouvoir revenir légèrement. Let's just feel. This place is beautiful. De push. Arrête de push. Les couilles. Il va faire all-in quand tu seras level 6. Je suis chaud pour y aller hein. Ok, j'ai un bon freeze, Milo était vers le mid. T'as pas compris le tuyau, je crois, pourquoi j'ai delayé mon auto. Il allait l'avoir avec l'ignite sinon. Ok, on a pris des kills, ça a tué mid aussi. C'est bien, ils ont pas mal trollé. En fait, si j'auto direct, c'est lui qui a le kill avec Lina, parce que j'ai pas les dégâts pour le tuer. J'ai du heal parce qu'il s'est repris un shield milieu. Ce qui fait qu'il est pas mort de mon auto, il m'en a fallu une de plus. Vas-y, on roule la plate où on en est. Hein. Vas-y, je back, normalement ça passe. Ok, j'arrive, je fonce, on va peut-être perdre la T1 bot, y'a plus de sum. No sum a fait, no heal milieu. I don't wanna play it. Pourquoi il est full tilt comme ça? Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui disait mon support en chopzek était en mode ouais I don't mind losing parce qu'il disait qu'il était fill. Je peux caler là pour qu'il prenne la gros de la tour. Et mon jungle était en mode ouais t'es un gros loser et tout, c'est pour ça que t'en bats les coups des games. Il était en mode t'es gros IRL, hein, c'est vraiment c'était... c'était un sacré discours pendant cette jump select. J'arrive, mais y avait... la proie qui soit ici est extrêmement faible, voire inexistante. Non oh, il est mis d'Aphelios. Je pense pas qu'on puisse gagner vraiment un véritable front to back contre eux. Ils ont fait le tour. Un pôle de vision.
J'ai mon R de toute façon, donc on n'est pas trop pressé, on a pas les Raltops, ce qui est bien. Faut que le mal kill les miss. Hein. J'avance juste pour le cover. Mon support c'est le new smite d'ignite d'avant. Hein. Le support en face qui avait run down. Pas surpris. Hein. J'ai peur de Kana. Il est en flash lui. Ce soir c'est hashtag Slayer. Ah, j'avais déjà laissé ça. C'est ok. Merci beaucoup Oleno. Bien sûr que ce soir c'est hashtag Slywin. Vous avez fait votre tweet avec Slywin journalier ou pas? C'est pas le cas, faut aller le faire. Hein. Pour faire du riche sur les réseaux. J'en ai fait 3, c'est bien Shin. Péter son crâne à Felius. J'ai le heal toujours. Et ouais, je le sens pas cette histoire là. Je peux les plates. C'est trop loin. Oh, no way. Ok, il survit, nice. On back, on a Manamune, on avance du coup sur BAM. Bon, j'ai oublié le Q sans le cancel, on perd pas de temps. Ok, bah écoutez, fin mot de l'histoire, 14 minutes de jeu, j'ai 7 creeps d'avance et je suis en 4-0. Heureusement qu'ils sont revenus un peu bot. Merci The Wadis pour le prime, merci beaucoup. Belle résilience mentale cette dernière game vu l'abandon total de tes supports. Ouais, c'est de la solo queue, ça arrive. Hein. Ça m'a hit. J'ai pas eu le meilleur flash, c'est my bad. Je vais s'en sortir, en plus je suis dégoûté. Hein. C'est fait tuer top. My bad, pas le meilleur flash. Bon, ils auraient dû mettre un peu plus de focus sur Kiana parce qu'il y avait que Milio qui était là. On savait que Kiana était là, mais j'ai mal joué le move. Hein. Je vais me poser mid. Ah, c'était bordé dans le coin. Get up, stand firm, strike hard. Ah, mon gain 6 stack de tir. On a 2 Drake, c'est bien, putain, j'ai même pas vu qu'on avait 2 Drake. Incroyable ce travail. The suit hunts in the manner I choose. Merci Mazaro pour les 4 mains, merci beaucoup. Incroyable, grâce à toi Twitch Prime, je gagne en fex à pile. Incroyable. Vive Twitch Prime.
peur le père Aphelios. Yana elle est en pure snowball. Oh il a vraiment explosé. Que gère les creeps. Je suis mort. Non Zach, l'auto la suit. Non Zach lance un vote FF, c'était sûr, il est full tilt. On va récupérer un bot, ça paye pas mon... ma dame Nashor malheureusement. Et il m'a chopé max range avec l'Everfrost, je suis dégoûté. Drake dans 45. Connaissez-vous Twitch Prime ? Merci pour la dose de LOL sur YT. Merci beaucoup Tatrasax, bah, merci pour le SM et merci pour le soutien sur YouTube aussi. Quand Micronage for people, then to Kiana, all game. You have to def, Zach, comme tout le monde, frère. Sauf Top qui est en 0-3, mais... Ah, je taille pour le Nash, pas pour le Drake. J'aurais pas en spec des items, mais tant pis. Voir push mid, j'ai peur de Annie. Le problème c'est que Milo ça casse les couilles contre Zach. Le Tigre ça. Oh, ils ont explosé. Je push la next, on sait bien, c'est une bonne décale. Je vais aller à 6 vite fait. Ok, good job. Il doit manquer qui en stack? Il doit manquer Gragas et Annie. Non, non, juste Gragas. Ouais, juste Gragas. Annie, je l'ai tué tout à l'heure, bot. À la Zonia et tout mon burst. Parfait. Et un flash. Allez, je back. Ok, on a dans Nashor, premier spike du stuff. Il est mort au top, je pense, je vais peut-être du stay. Ah oui, je finis direct, ah, je savais plus ce que je buildais. Ah, c'est double shutdown. Si j'avais stay, j'aurais pu prendre Thermid. Sorry, MV. Attends, il y a MV dans la game. C'est qui? C'est mon Jace. Je savais pas qu'il joue à LOL. Stylé. Je prends Thermid. Je redécale. Pour essayer de l'assister un petit peu, je peux qu'il Nash. Oh, dommage. Beaucoup de move speed hein, quand même. Hein. Cette petite Kiana. J'arrive, je suis niveau 12, j'ai une bonne range. Un stack? Non.
plus jouer au jeu en fait. C'est pourquoi on fait ça? J'ai go aveuglément dans le fight, mais qu'est-ce que c'était que ce truc là? Ouais, on se fait 5-0, normal. J'ai raté mon R. Hein. Je sais pas pourquoi. J'étais sûr de pas être cessé quand j'ai une pute moyenne, mais il a pas voulu, il a pas voulu l'ulti. Ah, c'était vraiment une engage de merde, hein. Voilà, je le dis maintenant. Engage était vraiment catastrophique. Merci Fighter pour les 9 mois, tiers 3 en plus, merci beaucoup, 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 beaucoup. J'ai très mal joué le fight, mais. Engage était vraiment catastrophique. Bon frérot. Well, note went all around the map, mate. Ouais, il est bon. Hein. Survival means never stop. Ma foutre, frère. Normal qu'il a fait le saut devant. Ouais. Bah oui, c'est même pas devant en plus. Y'a un run dead, là, je vais rien dire. Hein. C'était de l'untilt un peu, mais. Nice. J'ai raté le double, dégoûté. Très 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 risqué parce que. Si juste elle se retourne, elle me one shot. Je me fais exploser. Putain, j'étais sûr de l'avoir. J'ai attendu en plus d'être en mode le R, enfin le Z touche pour R. Le CD de mon R est très très court donc c'est pas très grave. C'est dommage, c'était une bonne opportunité. Il y a la soul bientôt. Stay alert. Stay aggressive. Pas ouf ça. Encore Muramana. Calme-toi frère. C'est ton crâne ou quoi? Il y a le Drake toujours de up. M'attendez pas à ça. Hein. J'ai l'invise. S'il vous plaît, tuez. Quand ça s'appelle, ils font pas de MR en face, non. Shadow Flame. Putain, je me suis fait exploser par Kiana. My bad, j'étais en train de réfléchir en mode est-ce qu'on peut aller Nash ou pas. Enfin, Drake ou pas, c'est la soul. Peut-être wardé hein. J'ai une relation de moelleux mais je vais pas essayer de pas perdre de temps. Ah Jace est mort. T'as un style ou pas? Mmh.
Oh non. Ce W touche, hein. Si ce W touche, hein. Nice. Sur push top, je pense. On a tué 4, bien joué ça. Mais c'est qui le Zek? Il a un ego de malade. C'est. Personne. Quand même, tous les gens qui ont un ego. C'est un peu random. Ah, pas tous les gens qui ont un ego, j'exagère, mais. La majorité des gens qui font les vœux. En solo queue, 99% du temps, c'est personne. Ok, on a Shadow Flame. Merci Thibaut pour les 9 mois. On peut rush ce Nash. Ouais, go go. On style, hein. On n'a pas fait l'erreur de tous mourir avec lui. Lâcher un my bad incroyable. J'arrive. Là je suis big, là je suis très big. Derrière. Oh, fais le sustain time kick ça! Oh, but why I spend all my time bot? Fais le sustain time kick ça! J'ai bien lui one shot sa mère, frérot! Allez, on prend T3. On prend une inhib, on pourra pas faire plus. On recall fast. Oh non, qu'est-ce qu'il nous fait Jace hein? Ça m'a stun ça va? Putain, je suis dégoûté. Ok, il en récupère deux. Putain, y'a qu'une auto qui est partie vraiment sur Miliou. My bad, je pensais pas que l'ulti Kiana allait me stun aussi, j'étais si loin. Il pourra jamais l'avoir. Je vais me le fermer les volets. J'ai misplay. Bello Bito Ayaya.
je pense que c'est la direction de mourir que j'ai prise qui était pas bonne, la distance. J'essaie de me mettre max range. Et je pense avoir frôlé. Le Jace il est en mission et pas en mission pour carry cette game hein. Et il ping GP, oui. Nice. Ok, Noé est en train de scale. Vision can make all the difference. Récupère pink. Je suis pas très loin de Rabadon. Ils ont plus de Jay, enfin ils ont plus de millions, on a plus de Jace. Le chiant c'est qu'ils ont Banshee plus Edge of Night. C'est relou. Ok, Conduit ça rendra quand même mon CD, ce qui est pas mal. Forgiveness is hard. C'est des fous qu'il y en a. Nice. Je l'ai évité avec mon W. J'ai tous les W que j'ai lancé là. Pas fait grand chose sur ce fight là mais... Je le mets en le peur. Ah je peux avoir la wave aussi. Finissons. Ah voilà, GG! On gagne les gars, c'est l'essentiel hein! Bien joué Noé. Elle était bizarre cette game. J'ai pas été très utile, mais pour le coup... Fenor par Noé pour shot calling. Pour le coup, on a été mental strong cette game parce que on a réussi à tenir la lane en 1v2. On a réussi à limiter la casse autant que possible. Et honnêtement, c'était pas si dégueu. J'aime bien. Plus je joue le stuff, mieux je l'aime. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Le playstyle est très différent. Je pense qu'on t'es compo tanky, c'est peut-être pas ouf. Quoique t'as aussi les dégâts de ton passif qui font mal. Faudrait que je teste qu'on t'es compo un peu plus tanky. Mais j'aime bien. J'aime bien Keisa, j'aime bien ce stuff. Je trouve ça cool. Voilà, je vous le dis. Pour même, j'ai sorti sur YouTube, je suis là. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est bien ou pas J'étais pas convaincu, mais. Mais je suis plutôt satisfait. Voilà.